Salut les amis, on se balade dehors sur Code of War Ragnarok. J'espère qu'elle vous plaira. Pas une vidéo. On était chez la grand-mère folle là. D'ailleurs, la grand-mère. Nous devons fermer la porte. J'arrive. Il va se passer un truc. De gémir. Dans un instant, tu auras tout oublié. Mais elle va le tuer. Non, parce qu'on va l'en empêcher. J'ai évité ce moment trop longtemps. Elle va mal. Tu sais, tu devrais me remercier. À quoi bon s'encombrer d'une âme? Ça n'apporte que de la tristesse. Je t'envierai presque. Regarde, le chaudron. Sans lui, elle peut rien faire, Tessa. Je vais la distraire. Toi, libère le loup. Ensuite, on brisera son chaudron. Tu es sûre de toi? Non. Mais on ne peut pas rester caché. Vas-y. Tu étais prévenu. Je t'avais interdit de revenir. Cause toujours, regarde-moi. Il y a tant de choses que j'ai oubliées, mais tu refuses d'en faire partie. Les choses pourraient se passer autrement. Si le Ragnarok approche, ne perds-tu pas ton affront d'enfant? Qu'est-ce que tu as jamais apporté? Les de ta mère, c'est si long. Et celui de ton père, cette sorte. Je ne t'abandonnerai pas. En feu! Tu n'es pas venu seul. Loki! Loki! Mais... Oh, wesh. C'est le rugby ou quoi? Sortez de chez moi! Hop là, putain, c'est dû lui mettre des feintes. Putain, ça veut pas, ça veut pas taper. C'est ça, courez! Montre-la, on peut rejoindre la cuisine. Ah, où êtes-vous? T'es sûr de vouloir y retourner? Je te le dis, il est... Je vous entends! Il faut détruire ce chaudron. Tu peux traverser? Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Où es-tu? Tu te caches? Tu aurais dû rester avec les pointures, Camille. Ne touche pas ça! Le champion des Jotnars dans ma modeste demeure. Sur son chaudron. Tu seras parfait en laquais d'Odin. Taisez-vous. Ce sera un si bon père qu'il te fera oublier le tien. On n'a rien de... Taisez-vous. Springandi Kangu. Oh, pourquoi?
Pourquoi me tourmentes-tu, gamine? Il faut que ça sèche. Fantine, Kyopte. Petite fille, ne m'oblige pas à te faire du mal. Es-tu venu ici? Maintenant, va-t'en! Je dois pas rester au sol. Vous êtes des géants minables, tous les deux. Cette bougie là-bas, ça la sauvera peut-être si je la touche. Elle est arrivée à Hulk. J'ai honte d'être ta grand-mère. Vous ne toucherez pas à mon chaudron. Vous ne le détruirez pas. Tire dessus avant qu'elle te touche. Ça te fait dissiper sa magie. Vas-y, viens, vas-y, viens, vas-y, viens. Charles-tu contre moi, petite fille? Je ne sais rien. Laisse-moi tranquille. Oui, bah, faut déjà que ça se déloque, que... voilà, hop. C'est tout ce que j'ai! À ta gueule! À ta gueule! Vas-y, viens, vas-y, viens, vas-y, viens. J'aurais dû te jeter en pâture au loup après t'avoir tiré du ventre de ta mère. Va-t'en. Fiche le camp. Non. Allons-nous-en. Tu crois avoir accompli quelque chose, petite fille? Sache que tu n'es rien. Et personne ne se souviendra jamais de toi. Pas même Loki. Tu ne seras qu'un chapitre
oublié dans son histoire. Il sera trop occupé à pleurer son père. Si je te revois, tu regretteras de ne pas être morte avec tes parents. Tu es sûr qu'on fait bien de la laisser ici? Si jamais elle venait te chercher. Chaudron, trophée bronze. Détruisez le chaudron de Grilla. Putain, je voulais aller à la gauche. Sur la dernière fois. Et j'apprécie. La dernière fois, c'est moi qui ai gagné. Il me semble qu'on était ex aequo. Je suis sûre du contraire. Ex aequo. Ça triche. Oh non, tu triches! Attention au virage! Ah, c'est pas moi qui le contrôle. Hein. Aucune idée de ce que tu dis. Ah, là, c'est... Les gens sont toujours merveilleusement bons. C'est sûr que ton nez est plus fin comme ça. Ne te laisse pas distraire. Hey, ça, plus vite! On va la voir! Je ne crois pas. Oups. Wow. Tu vas vraiment encore me laisser gagner? Wow. Oh. Les pattes ne t'emmèneront pas plus loin. On y est presque. Oups. On arrive avant. J'ai dû me donner au maximum cette fois. Te donner? Tu étais sur un renard magique? Ouais. Atreus, merci. Je suis désolé qu'elle ait été dure avec toi. Moi aussi. Bien, j'imagine que tu veux rentrer chez toi. Je te retrouverai à la fresque quand tu seras prêt. Je suis obligé de partir. Uniquement si tu le souhaites. La prophétie ne précise pas quoi. La prophétie. Sans leurs âmes, ils ont oublié comment se nourrir et courir. Je les amène ici car seuls, ils ne survivraient pas. Mais avec ces billes spirituelles, tu pourrais... Non. Je regrette. Mais je... C'est tout ça. Cette prophétie. C'est trop... Il a changé son commandant. J'ai accueilli d'autres verbules venant. Je peux nourrir les animaux si tu veux. Tu n'y crois toujours pas, hein? J'y arrive pas. Tu penses que je suis stupide? Je pense
que tu tiens beaucoup à ton père et que l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose t'est insupportable. Viens. Je veux te montrer quelque chose. Sa mère. L'eau feuille. Ma mère? Oh non, bah si oui. J'aimerais je qu'on compte. Ne soit pas vide. Mais... je sais ce que ça fait. De perdre un parent. Et même deux. Ta mère n'est peut-être plus là, mais ton père... tu as encore le temps de lui dire au revoir. Je comprends ce que tu veux dire. Et je te remercie. Vraiment. Mais... j'en sais rien. J'ai du mal à croire qu'on soit des pages d'une histoire déjà écrite. Qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne sais pas. Je te l'ai dit, quand tu serais parti, mon rôle sera terminé. Alors, tu peux rester. Je crois que c'est à toi de décider de ton rôle. Qu'est-ce que tu vas faire ? Aucune idée. Mais je peux pas laisser mon père mourir. Il faut que j'y retourne. D'accord. Les étoiles sont différentes. Non. C'est toi qui es différent. Je sais qu'on se reverra. Bien sûr. Maintenant, ferme les yeux et serre-la fort dans ta main. Ne la lâche surtout pas. Ta maison... elle a dit fort dans ta main, voilà. Je me suis dit, mais il est con, quoi. Il devient tout pâle, là. Voilà, et je suis... comme ça. Donc maintenant il est vraiment chez lui, genre chez lui. Autre maison.
ça m'arrête, putain. Hop là, hop. Ouah, ça m'arrête. Rejoindre Sindri et trouver un moyen de se libérer. Et garder le secret sur le bois de fer et Angerwood à part de ce marché. Dans quoi je me suis fourré. À quoi tu pensais? Je voulais aller voir Fenrir. Pendant deux jours? Je... Arrête de me mentir! Pourquoi je te trouve ici? Tout seul. Cherche-tu à mourir? Pas plus que toi. Pourquoi? Parle. Qu'est-ce que tu refuses de me dire? J'ai tenté de suivre cette voie avec toi. Nous nous plions à tes caprices. Mais tu crois à rien de tout ça. Et pourtant je te suis! Parce que tout ce qui compte, c'est que tu sois sauf. Mais c'est pas tout ce qui compte! Qui te protège, hein? Je n'ai pas besoin que tu me protèges. T'en es vraiment sûr? T'as-tu appris? Je peux pas t'en parler. Mais tu dois me faire confiance. Moi, malgré tes secrets, je te crois. Ce n'est pas pareil. Pourquoi? Tu cachais des choses. Mère cachait des choses. Tu avais tes raisons, et moi aussi. Pourquoi tu ne veux pas? Plus tard. Allez, let's go. Il m'avait manqué ton Kratos. Là je vais qu'il se transforme en loup là. Un peu comme avec Baldur. T'es pas là pour plaisanter? Non. Merde! Ça va? Dis-toi de l'ennemi, pas de moi! Compris.
Poison, évitez-le. Vous libérez. Oh, elle m'a l'air bien assez libre. Vous l'avez échappé belle. Putain. En plus j'ai pas de... Ouais. Ah si. Non. J'aurais dû... je voulais attendre après mais... Ok. Au début j'avais pas compris le truc de la jauge et tout. Moi je voulais vraiment me vénère pour mettre des courses patates. Et là je vois ça me met juste de la vie. Elle est pas là pour plaisanter. Nos intentions sont bonnes. Hein? Ah, c'est la sorcière. Toutes les agonies, toutes les atrocités imaginables. Atrice, c'est pas ce que tu veux. Calme-toi, contrôle-toi. C'était notre ami. Elle est triste en même temps énervée. Reviens. Non. Peut-être. Pour l'instant. De vous revoir. Moi de l'effort. Et ne le quittez pas des yeux. J'ai compris, petit gars. Avance plus vite que ça. Petit bisou. Qu'est-ce que tu veux? Non. Putain. Je refuse de rester lié à ce royaume. La guerre. Let's go. Bon. Ben, je crois qu'il n'y a plus que nous. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais on lui a dit surveiller le gosse. T'as mes brocs. Il se fout de nous. Il y a un passage pour Vanaheim. C'est parti. Choisir Fion en bravo. Ah, combat à domicile, trophée bronze. Affronter les mystérieuses vaquiers, etc. Alors la bravoure emploie la rage pour soigner plutôt que de blesser les six-niveaux. Ils agissent la rage à tout moment dans le menu arme. Jusqu'à ce que je trouve ce dont j'ai besoin, j'ai préparé un sortilège qui m'empêchera d'être attiré hors combat. De quoi s'agit-il? De l'assaut.
Führer. Führer. Je suis un gamin, je suis. Est-ce que c'est pas si vieux que je... Kratos il va peut-être mourir. Chose que j'espère pas. Vous n'irez nulle part sans ça. Qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches? On est pas que des royaumes là. Besoin de Kratos, Altesse. Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin toute seule. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rouges. Celle-ci est puissante. Ces efforts pour le tuer, c'était simplement un divin appel à l'aide. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de venir. Parce que tu l'as pas fait. Je comptais retrouver une vieille compagne de beuverie quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh ben, aux dernières nouvelles. Elle musardait avec le pencu qui te sert de frère. Frayeur. N'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est pas ce que me dit mon petit doigt. Ni mes baloches. Je sens l'attraction du sort d'obédience. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi. C'est encore pire qu'un bourbier de Muspelheim, messieurs. Et ça sent presque aussi bon. Ce doit être à cause de Fimbulwetter. Mais si cela aide ces deux-là à faire la paix. Ce n'est qu'une alliance temporaire. Au-delà de ça, je voudrais se faire comme ça. Oh, je t'en prie. Tu sais bien que Kratos n'est pas la cause de tes souffrances. Vous êtes tous deux autant responsables de ma souffrance que quiconque. Sérieux? Ouah, abusé. Yes. Ça c'est le nombre pour ouvrir un coffre. Oh!
Par ici. Oh non. Ça ne va pas. Mon sort, je le sens qui m'échappe. Ah ben ça, c'est Fimbulwetter. Non, tu ne comprends pas. Je vais disparaître du royaume. Que peut-on faire? Une chose que j'espérais éviter. Je n'ai plus vraiment le choix. Falky! Allons-y. Tu pouvais contourner le sort d'Odin depuis le début? Non, je l'ai découvert quand vous avez ouvert le passage entre les royaumes. Et ce n'est pas une solution. Cette forme est extrêmement contraignante. Ah ben ça, c'est Fimble. Arrête. Fimbulwetter. J'ai pas vu. Dans les bois, après avoir couvert leurs traces avec la magie. Impossible de savoir combien ils sont, ni comment les retrouver. Les As n'ont pas fait de la dentelle ici, hein. C'est grâce à notre cher Vir. Déclarer la guerre aux Van n'a jamais été mon idée. Moi, je voulais négocier un mariage pour y mettre fin. Et quel succès ce fut. Bien évidemment, la paix a été aussi désastreuse que le mariage. A-t-il lancé une nouvelle invasion, juste après m'avoir exilé? Abuse. Un marché, hein? Dis donc, ils en ont laissé des bricoles. C'est dommage que ça prenne la poussière. Mon frère, crois-tu vraiment qu'elle nous laissera en paix si tu l'aides? Je l'ignore. J'ai choisi de l'aider. Pour le reste, nous verrons. Oui. Intéressant celui-là.
Ouais. C'est une merde. As-tu déjà écrit un poème, mon frère ? Non. Oui, c'était une question. Plus nous avancerons, plus la flore sera hostile. J'espère que tu es prêt, non ?
Comment Odin s'y est-il pris ? Quelles armes a-t-il demandé aux nains de lui forger ? Quelle part de dégâts revient à Mjolnir ? Un seul homme sera pour autant ? Tout dépend de l'arme et de l'homme. Je suis sûr que ça brille. C'est trop beau. Il regorgeait autrefois de bateaux en provenance de différents villages. Je ne l'avais jamais vu si beau. Qu'est-ce que c'est ? Pas maintenant, mon frère, on a de la compagnie. La technique a fait plus de dégâts. Hein. Pourtant, si.
minutes. Si vous voulez pas vous retrouver les pieds dans l'air. C'est bon, vas-y. Le palais. Ton peuple ne reçoit plus de visiteurs. Je l'ignore. Je n'ai plus mon peuple à présent. Nous devrions sans doute aller le chercher. Sois sur tes gardes. Bien, on va s'arrêter là. On ira le chercher dans la prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.